Shalom Alechem à tout le monde. Nous allons, poursuivre la connaissance de l'être et l'autonomisation. La connaissance de soi et l'autonomisation de l'être dans le livre fabuleux de Rav L'aventure du soi, le sublime du soi, la joie de soi. Poursuivons, c'est Ce C'est pas les mots du Rav, c'est les biens, mais je suis tellement. Euh, je suis tellement euh, satisfait et je kiffe tellement ces enseignements que c'est pour moi un immense plaisir de poursuivre ce partage. Nous dit Rav Schwartz. Nous avons vu les multiples intérêts. Qu'il y a lorsqu'on apprend à se connaître, la connaissance de soi en vue de bâtir une forme de vie correcte et corrigée. Le RAV a montré, nous l'avons vu dans les précédentes vidéos, le RAV a démontré qu'il y a deux façons de travailler son être. Soit c'est par la motivation de régler ses problèmes, de trouver des solutions aux problèmes de la vie. Soit parce qu'on a compris que on doit bâtir une vie correcte et équilibrée. Et il nous a démontré dans les différentes vidéos que nous avons vues précédemment que les avantages, les différents avantages et les multiples avantages qu'il y a lorsqu'on choisit la voie de se construire afin de construire une vie plutôt que d'apprendre à se connaître si ce n'est que pour régler les problèmes. malgré tous les avantages, la tendance naturelle de nombreuses personnes c'est de, de c'est la connaissance de soi en vue de chercher des solutions aux problèmes. pourquoi est-ce ainsi de manière générale, cette conception de la vie est dû à notre génération dans laquelle nous nous trouvons, qui s'appelle la, la génération du Miyad ou becalout L'immédiateté dans la facilité. Laura va nous donner plusieurs exemples. On est dans une société où lorsqu'on veut quelque chose, on le veut tout de suite, et on le veut le plus facilement possible. On peut rajouter le moins cher possible le moins compliqué possible etc etc le plus performant et le moins compliqué je ferme la parenthèse ça veut dire que cette tendance n'est pas une tendance de l'être humain qui est propre à, à chacun il y a des gens qui aiment faire les choses de façon méthodique prendre le temps l'art existe encore la musique etc mais de manière générale il y a Aujourd'hui, une société qu'on appelle le prêt à porter, le prêt à penser, le prêt à manger, etc. On va le voir. L'aura va nous le dire. De nombreuses personnes de notre génération ont l'habitude de vivre de telle manière où tout ce qu'ils désirent, ils s'évertuent, ils s'efforcent de l'atteindre de façon immédiate et de la façon la plus facile soit-elle. À tel point que ce phénomène est devenu une nature, c'est devenu aujourd'hui la nature des hommes, comme si c'était une façon, comme si c'était un état qui ne peut plus se distinguer de notre vie. Ça s'inscrit dans les mœurs de la vie aujourd'hui, le milliard et le mécanisme, l'immédiateté et la facilité. C'est c'est la conception que les hommes ont du monde aujourd'hui. Et ça va jusqu'à ce que certaines personnes ont même l'élan le, de leur vie, c'est d'avoir tout ce qu'ils veulent, miad ou bécalout, tout de suite et de la façon la plus facile. De ce fait, quand quelqu'un a un problème, il cherche la méthode la plus courte euh, de dans, dans laquelle il bénéficiera un, un, un remède. Pour remédier donc à ces problèmes. Donc, étant donné que, vous comprenez, j'espère que j'ai été clair, vous comprenez ce que nous dit le Rave. étant donné qu'on vit dans une société du miad ou bécalout, c'est-à-dire du tout de suite et facile, alors lorsqu'on veut régler un problème, donc lorsqu'on va, lorsqu va parler de soi, du défège, de la vie, de l'homme, etc., on n'est plus dans un mode de, de construction, de billiade, on est dans un mode, il faut aller vite et en remporter le maximum. Voici quelques exemples, nous dit le rave. On veut manger du pain chaud. Il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est d'appuyer sur le bouton du micro-ondes. La météo, il fait froid, il fait chaud. Comment on règle les problèmes de météo Eh bien, on appuie sur un bouton et on allume la climatisation. Plutôt que d'aller d'un endroit à un autre endroit à pied, eh bien, aujourd'hui, on voyage avec des protinettes électrique avec des motos, etc., etc., etc. Il dit le rave dans la note 23, on n'a rien, dans le fond, on n'a rien contre la trottinette électrique. C'est mignon, on a l'impression que tout le monde flotte sur la terre, il dit que les mais Alpene, à Carca, mais on ne prend pas en considération les conséquences du défèche et du gouffre de l'homme, c'est-à-dire les conséquences que ça va imprimer sur le moi, le soi et sur le corps. C'est rentré dans les mœurs. Aujourd'hui, tout le monde a un vélo électrique et une trottinette électrique. Si une personne doit faire le régime pour des raisons de santé, alors il faut aller très vite. Et on a pu le temps de rebâtir, de reconstruire, de restructurer le corps. Il faut aller très vite. Et même en restant, nous dit le rap, sur son canapé, aujourd'hui, on peut faire le régime. Nous verrons par la suite d'autres exemples, leurs implications et leurs conséquences sur le corps, sur la vie en général et en particulier sur le défèche.